vidéo vlog. On est à Disneyland, voilà, on va tout vous montrer. Attractions, nourriture, voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, c'est bon, là on vient de passer la douane. Faites les premiers là, vite, vite, vite. En plus, il n'y a pas grand monde. Mais attends, t'as oublié quelque chose? Oh, le cercle. Allez, c'est parti, file avec moi. Allez, on court, dis. Dis à Bastien Clément qu'il faut qu'on court là, allez. On perd pas de temps. Bastien Clément, on court jusqu'au château. Bastien Clément, go, on court au château, allez, go, go, go. Hollywood 1939. Dans le strass et les paillettes à Hollywood à l'apogée de son âge d'or, le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière, le lieu de rencontre de l'élite du show business. Mais quelque chose allait se produire qui allait changer tout ça. Avant appelé je sais pas comment. C'est parti. Mais avant c'était pas comme la lèche ça. Ah, donc là c'est le roller coaster. Mais en fait ils l'ont renommé le Avengers. Ils ont tout refait et tout. Le rêve. Oh my god. Il la tour de la terreur. Il court, on va courir avec eux. La tour de la terreur. Quoi, la tour de la terreur? La tour de la terreur c'était... La tour de la terreur c'était incroyable. Là vraiment on enchaîne, c'était incroyable. Oh my god, on a vu tout le parc. On se dirige vers le Avengers. Il n'y a pas grand monde, il y a 20 minutes d'attente. J'ai vraiment trop hâte d'être dans l'attraction. C'est magnifique, j'ai vraiment trop hâte d'être dans l'attraction. Ça va être incroyable. Ça avance vite. Il n'y a pas grand monde, c'est bien. Travail recrue.
Veuillez rassembler vos affaires et sortir sur la droite. Incroyable, il y avait genre de l'odeur, on bougeait, genre c'était, il y avait de l'eau, genre c'était vraiment du 4DX, même du 5, 6, 1000DX. Là, on se dirige vers une autre attraction, on va faire laquelle ? Toy Story, on va voir. Ouais. Vraiment, en plus, on a fait 5 minutes d'attente parce qu'on est allé seul, un par un, et au final, ils nous ont mis à deux, donc en vrai, on a attendu 5 minutes, c'est trop bien. C'est votre heure de gloire, bien sûr, les filles. En avant, les garçons. Bien, il y a une belle vue. Voilà, c'est vraiment l'attraction du repos. Je mets un 5 sur 10 parce que c'est vraiment une attraction pour enfants. Mais voilà, on va aller. C'était trop bien. Disneyland Paris. Bon, là, on se trouve dans le magasin. Comment ça s'appelle ? C'est Disney Store. Ouais, Disney Store. On a la recherche de serre-tête pour faire des photos et tout. Même pour faire un petit souvenir de notre journée chez Disneyland Paris. Donc là, voilà. Il y a plein de choses. Et là, on était chez McDo, on a bien mangé, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas habituellement. Et là, on va voir. Et serre-tête. Je vous laisse. Merci. Le rêve, non, mais en fait, c'est genre un vrai sac. En fait, genre 3 euros le sac, je me suis dit, c'est bizarre. En vrai, oui, ça va, c'est un beau sac. Bon, ben c'est parti, hein. À nous les manèges, on prend des photos, on a les gants, le casque, on a tout ce qu'il faut. C'est le. Et ça, c'est le 30 ans de Mickey. Et aussi, il y a plein de sucettes, du popcorn, des sucettes. Il y a plein de choses. Parle, vive. Le relance, c'est vraiment, c'est trop bien parce que là on est vraiment dans l'univers. Oh. Le jeu ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est pas Olaf. Là, on vient de faire la maison hantée, c'était hyper bien et tout. On s'est pris une petite boisson parce que à force de courir, malgré qu'il fait froid, genre on a hyper chaud. Donc à la vôtre. Et là, on va se diriger vers les tasses et vers Pirates des Caraïbes. Allez, c'est parti, on perd pas de temps et on y va. Là, je suis épuisée des attractions. On va faire une petite pause. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que à 55, et là, on va s'installer au pied du château pour justement regarder la parade. J'ai trop hâte, j'aime trop. Comment il y a la magie de Disneyland Paris, c'est trop bien. We'll be right back.
On te rentre sur la main. Que la nacelle elle tourne et que notre tasse elle se coupe. Tu vois. Là, tu vas tourner jusqu'à ce que la tasse se décroche. On va faire le tour du parc et qu'on revienne sur place. Mais attention. 3, 2, 1. Ça, c'est dur. C'est dur. Oh my god, c'est compliqué à tourner. On est pas juste. Fais un truc dans ma cabane. Dans ma cabane. Bon, leur verdict. Bon, c'était vraiment chill, voilà. Bonne vidéo pour ma population. Voilà. Mais bon, là on vient de faire les tasses. Le problème c'est que c'était hyper rapide mais reposant. Voilà, c'est vraiment chill. Et là on a fait des gueules. Et maintenant les jours va. On va où? Ah ben la belle la je sais pas. J'ai fait. Oui, mon amour, il me manque trop. Oh, c'est beau ça. Mais ça va. Oh. Ils me disent que moi, ils passent du boutique de beignets. C'est des glaces. C'est pas là, Clément. C'est des glaces. Non, tu connais la boutique de Bulle. Oui, je connais la boutique de Bulle. Donc maintenant, tu veux, moi, voilà. Non, mais j'en ai pas besoin. Oui, que bonne idée. Je suis amoureux. Mais si vous pouvez pas. Genre, dans l'allée principale, là-bas. Mais en parlant, tu vis, toi. Oui, voilà. Et après, on prend un trou de mon oreille. Comme toi. Oui, mais après, on prend des Caraïbes et tout. Oui, c'est vrai. Et on va là-bas. Petit goûter. Petite brioche. Non, c'est pas des brioches. C'est pas des brioches. C'est des beignets au Nutella. Santé. Santé. Continue la visite de la journée dans le monde oriental. Venez avec moi. Non mais c'est des blagues. Il se passe quoi? Là en gros il se passe que l'attraction est tombée en panne, il y a des malaises, des gens, tout ce qu'ils m'ont raconté. Le problème c'est qu'il y a Nemo qui est fermé, il y a ça qui vient de fermer, il y a Indiana Jones, quand il y a genre comme attraction fermée, il y en a plein. Il y a plein qui est fermé. Nemo. On va, non mais là par contre on va aller me plaindre. Là il s'est passé une dinguerie en mode l'attraction est tombée en panne, il y a des malaises, ils ont tous fait évacuer, on a vu 40 minutes et plus de la haine. On va aller me plaindre à l'accueil. Non mais genre on l'a fait 10 fois quand on était petit l'arbre. Et du coup on l'a jamais fait. Où l'arbre? Là-haut, là, c'est ça, monter là-haut, dans l'arbre. C'est bien grand cet arbre d'ailleurs. Ouais. On va monter l'arbre. Il est énorme. Waouh. Je me sens tout petit. Allez, un petit peu de nature, un petit peu de verdure. Parce que là, faire la queue pour rien, là, j'ai la laine. Blanche.
imbécile. All right, you junior space rangers, listen up. Zerg is using the stolen battery cells to energize his secret weapon. Our mission is to find his robot and his secret weapon. Une buzz éclair. Là, on va faire l'attraction de buzz éclair. C'est vraiment le buzz. Voilà, on va faire buzz éclair. Et j'espère que grâce à cette attraction, on va faire le buzz. Le buzz. Alors, ton premier ressenti? Sur buzz éclair? Ouais. Bah écoute, c'est le buzz. Le pass, voilà la nostalgie. On a eu le pass c'était un peu mini. Alors là, il faut tirer sur les petites cibles comme ça. Oh, mais c'est moi qui me suis rappelé qu'il fallait tourner. Hein. Parce que quand on était petit, on me rappelait qu'on tournait. Et d'un coup, je regarde ça, j'ai appuyé. Et tous les gens derrière, ils appuient maintenant, regarde. Personne n'a appuyé. C'est parce que c'est nous qu'on a découvert ça. C'est beau. On va vite. Waouh. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à venir me suivre sur tous mes réseaux, sur Instagram @foodcake. Je mets plein de photos et de stories. Sur Snap, foodcake-off avec deux F. Je poste mon quotidien. Et bien sûr sur TikTok, vous connaissez. Et n'oublie pas de mettre plein de petits likes sous cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun short. Car oui, je suis active sur YouTube Short. Je poste du contenu exclusif qui n'est même pas sur TikTok. Merci d'avoir vu la vidéo. Gros bisous et à la semaine prochaine.